Vous avez été nombreux à me demander de vous montrer comment utiliser des magasins d'applications iPhone autres que l'App Store. J'ai testé des milliers d'apps sur cette chaîne, j'étais donc logiquement intéressé par ces nouvelles alternatives à l'App Store qui ont été ouvertes en Europe. Surtout que ces boutiques contiennent certaines apps utiles qui ne sont pas disponibles sur l'App Store. Est-il dangereux de télécharger sur des magasins d'apps autres que l'App Store? Comment trouver ces boutiques et les installer sur son iPhone? Et est-ce que c'est payant ou gratuit? Moi, c'est Maxime et voici tout ce que vous devez savoir sur ces nouvelles boutiques d'apps pour iPhone. Vous vous dites sûrement, est-ce que c'est légal d'utiliser un autre App Store que celui d'Apple? Alors oui, ça l'est, mais uniquement en Europe. Pourquoi? Parce que l'Union européenne a obligé Apple à effectuer plusieurs changements historiques, dont l'ouverture de l'iPhone aux magasins concurrents de l'App Store. Pour cela, l'Europe a mis en place le DMA, ou Digital Market Act, un règlement européen qui vise à limiter la position dominante des grandes plateformes numériques et à une ouverture à la concurrence. Un des objectifs de ce DMA est de donner le choix aux Européens de pouvoir télécharger des applications iPhone sur une autre boutique d'app que l'App Store. Pour l'instant, cela concerne uniquement les applications iPhone, mais à l'automne 2024, avec iPadOS 18, les tablettes d'Apple auront également droit à ces nouveaux magasins d'applications. L'avantage de l'App Store ou du Mac App Store, c'est la quasi-certitude qu'il n'y a pas de logiciel malveillant, car Apple effectue un contrôle strict de toute app qui veut être distribuée sur l'App Store. Mais qu'en est-il des apps distribuées sur ces magasins d'apps alternatifs? Est-il possible d'avoir un virus ou de télécharger une app malveillante sans le savoir? Normalement non, parce qu'Apple effectue un examen de base appelé notarisation pour les applications distribuées hors de l'App Store. Cela afin d'assurer que ces apps ne sont pas des logiciels malveillants, ne contiennent pas de virus ou autres menaces pour la sécurité et qu'elles fonctionnent correctement. En dernier recours, Apple a aussi la possibilité de bloquer à distance des apps identifiées comme malveillantes. Donc Apple assure un minimum de sécurité pour les utilisateurs d'iPhone qui téléchargent des apps sur ces nouvelles plateformes de distribution. Mon conseil, si vous choisissez d'utiliser un magasin d'applications en complément de l'App Store, c'est d'en choisir un ou plusieurs qui ne sont pas inconnus au bataillon et qui ont une bonne réputation. Par exemple, la future boutique d'Epic Games ou encore Setapp, qui sont des acteurs établis et connus du secteur avec déjà des boutiques d'app pour d'autres machines. Et c'est la transition parfaite pour vous parler du sponsor de cette vidéo, Setapp Mobile, qui est une des deux seules boutiques d'app actuellement disponibles sur iPhone. Son fonctionnement est similaire à sa boutique d'app Mac. Avec un unique abonnement par mois, vous bénéficiez de nombreuses applications iPhone. Setapp s'applique à choisir des apps de qualité qui sont utiles au quotidien et non des apps de coussin péteur. Par exemple, Donny, un excellent utilitaire pour télécharger des vidéos sur n'importe quelle plateforme et qui n'est pas disponible sur l'App Store. Il y a plus de 40 apps iPhone sur Setapp Mobile et ce nombre ne cesse de grandir avec le temps qui passe. Il n'y a pas de coût caché, avec ce seul abonnement à Setapp Mobile, vous bénéficiez de toutes les fonctionnalités des apps se trouvant dans la boutique. Et il ne s'agit pas d'applications gratuites, par exemple FocusWork, que j'utilise au quotidien, nécessite un abonnement sur l'App Store d'Apple pour être utilisé. Setapp Mobile est actuellement en bêta et il faut normalement une invitation pour l'essayer. Cependant, je vous donne un accès exclusif à Setapp Mobile en passant par le lien dans la description de la vidéo. Et merci à eux de soutenir la chaîne cette année. Pour pouvoir installer une nouvelle boutique d'applications sur son iPhone, il y a quelques conditions à remplir. Tout d'abord, votre iPhone doit être mis à jour avec minimum iOS 17.4 ou une version ultérieure. Deuxième condition, il faut se trouver physiquement dans un pays européen. Troisième et dernière condition, votre identifiant Apple doit être associé à un pays de l'Union européenne comme la France, la Belgique, l'Espagne et plein d'autres. Par exemple, si j'utilise un compte Apple canadien, je ne pourrai pas installer ces nouvelles boutiques d'app. Pourquoi? Parce que ces nouveaux magasins d'applications concernent uniquement les utilisateurs européens, en tout cas pour le moment. Apple a ouvert les portes aux magasins d'applications alternatifs que très récemment, en avril 2024. Et pour le moment, il n'existe que deux boutiques d'applications, App Store et Setapp Mobile. Ils seront bientôt rejoints par un nouvel entrant, le Store d'Epic Games, connu notamment pour son jeu Fortnite. Pour accéder à Setapp Mobile et avoir accès à toutes leurs apps sans surcoût, c'est pareil que leur boutique d'app Mac, il faut un abonnement au mois. Pour accéder à l'App Store, il faut payer. Certaines apps sont gratuites dans leur magasin et d'autres sont payantes via un système d'abonnement mensuel via Patreon. Pour l'instant, il n'y a pas photo. Setapp Mobile est le plus intéressant de par le nombre d'applications disponibles, alors que sur l'App Store, il n'y a que deux apps. Bien évidemment, le nombre d'apps devrait progressivement augmenter sur les deux boutiques.
Dans ces magasins, on y trouve des apps qui sont également disponibles sur l'App Store, mais aussi, et c'est ce qui est le plus intéressant de mon point de vue, certaines apps utiles qui sont absentes de l'App Store d'Apple. Par exemple, sur cette app mobile, il y a Donny, un excellent utilitaire connu des utilisateurs Mac et qui permet sur son iPhone de télécharger des vidéos sur de nombreux sites et applications. Sur l'Alt Store, je peux mentionner un superbe émulateur appelé Delta, et celui-ci permet de jouer à des jeux Nintendo, Super Nintendo, Nintendo 64 et DS sur son iPhone et bientôt son iPad. Rien que ça me fait saliver, j'ai grandi avec ces consoles et le fait de pouvoir jouer à ces jeux sur iPhone et iPad me rend trop heureux. Il y a aussi Clip, un gestionnaire de presse papier qui a la particularité de fonctionner en tâche de fond sur l'iPhone, alors que des solutions similaires sur l'App Store n'ont pas cette possibilité, ce qui les rend beaucoup moins intéressantes. Je vous montre maintenant comment se déroule l'installation d'une boutique tierce d'application sur mon iPhone. Dans mon exemple, je vais installer la boutique Setup Mobile, mais le processus d'installation est similaire pour les autres magasins d'app. Apple ne veut volontairement pas faciliter la tâche pour installer une autre boutique d'app, il faudra donc une dizaine d'actions pour compléter l'installation, mais heureusement rien de compliqué. Vous commencez par appuyer sur le lien redirigeant vers la boutique Setup Mobile ou bien d'appuyer sur le lien Download pour Alt Store. Cette page va lister les différentes étapes pour installer Setup Mobile sur son iPhone. Il faut tout d'abord appuyer sur Install Setup Mobile. Un message d'erreur va s'afficher, pas de panique, c'est normal. Celui-ci indique qu'il faut se rendre dans Réglages pour autoriser cet iPhone à installer des apps distribuées par Setup Mobile. Appuyez sur OK et lancez l'application Réglages. On peut voir apparaître une nouvelle ligne autoriser les apps créées par MacPoway Ltd. Appuyez dessus, ce qui affiche une fenêtre d'autorisation. Validez celle-ci en appuyant sur Autoriser en bas de page. Retournez dans Safari et touchez à nouveau Install Setup Mobile. S'affiche alors une fenêtre demandant si on souhaite installer la nouvelle boutique d'app en question sur son appareil. Validez cette installation en appuyant sur Installer la place de marché en ligne d'app. Et voilà, vous devriez maintenant avoir l'icône de la boutique Setup sur votre écran d'accueil et un appui sur celle-ci permet de consulter toutes les apps disponibles et de les télécharger pour commencer à les utiliser. Pour l'instant, il s'agit de la boutique la plus intéressante et il devrait progressivement y en avoir de nouvelles, notamment celle d'Epic Store Games. Depuis 2017, je vous présente régulièrement des apps terriblement utiles et peu connues. Et si vous voulez mieux utiliser votre iPhone, je vous conseille d'aller voir ma dernière sélection d'applications dans la prochaine vidéo qui s'affiche à l'écran. Sur ce, c'était Maxime et je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, ciao!